Bonjour tout le monde, nous sommes les Ocarina et c'est aujourd'hui on continue notre aventure sur Légende Pokémon Arceus. On a rendez-vous dans l'autre dimension. On nous a rapporté une apparition massive de Pokémon. Oh, des Cerfrousses. Ah, pas des guerriers, c'est stylé. C'est vrai qu'on va... Ouais, mais je les avais déjà entamés en fait. Je le savais déjà. Ah, alors, il y avait rien d'intéressant. Non, pas de shiny chromatique, mon dieu, il est trop beau. Ah, dommage, dommage. Bon, alors, nous voici au hameau oublié. Aujourd'hui, on va parler de la tectonique des plaques. Oh, ça va être incroyable. Et après, on va faire un petit... Elle va nous faire un contrôle pré-CA. Genre, est-ce que vous avez bien étudié quelle roche on trouve à tel niveau des sous-sols, hein? Allez, let's go. Alors... Êtes-vous prête? Bon, voilà. Avez-vous trouvé les plaques? Évidemment. Elles ne font pas partie du corps du chercheur pour rien. Allez, donnez-nous d'autres informations. Dites-nous tout sur les plaques, là. Si vous voulez en savoir plus, rapportez-moi du bois. Trois morceaux suffiront. Encore. Du bois? Le bois aurait un lien avec les plaques? Ne perdons pas de temps. Allez, allons en chercher. Je n'en ai pas en réserve. Je suis peut-être marchand, mais je suis pas bûcheron. D'accord, j'ai dû en ramasser quelques brindilles lors de mes aventures. Ouais, j'avoue que moi j'ai rangé là. Ça c'est sûr, parce que je me suis... J'ai tout retiré avant de... Ah oui, non mais d'accord, ok. Ah parfait, j'ai du bois. Allez hop, 97, ça te suffira, je pense. Ah oui, t'en vas ramasser autant que ça. J'en ai que 15. J'en avais pas demandé. Mais en fait, c'est parce que... Le moment où je farmais des garde-voix barons... Je prenais un chemin à partir de l'arène Ursa, et sur le chemin, il y a deux branches d'arbres que je ramassais à chaque fois, en fait. Je vois. Alors, pensez à... On t'a ramené du bois. Alors, as-tu trouvé le bois? Votre belle région est bien agitée, soupir. Oui, tiens. Vous donnez les trois morceaux de bois à penser à... Oh là 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 là. Parfait, ça fera l'affaire. Alors, vous avez enfin révélé le secret qui se cache derrière ces trois morceaux de bois. Un secret? Il n'y a rien de tel, j'avais juste besoin d'une nouvelle planche à découper. Ah, une planche? Mais ce sont des plaques qu'on veut, pas des planches! Je trouve que tu te plains beaucoup. N'as-tu pas du travail à faire pour la compagnie Ginkgo? Pauvre Gino, il doit peiner à gérer un employé tel que toi. Oui, bah, c'est vrai que Percupio, franchement, j'arrive pas à vendre ce frigo, là. Cela dit, tout travail mérite salaire. Je te donne ma vieille planche. Super, une vieille planche. Oh, elle donne une plaque fée. Oh, elle est mignonne. Une autre plaque. Ah, ça fait plaisir. Je veux dire... Merci pour cette plaque. Comment cela, une plaque? Laisse-moi l'observer de plus près. Ah, il est vrai que cette planche ressemble à s'y méprendre aux plaques que vous rassemblez. Alors, vous ne me tiendrez pas rigueur pour les traces de jus de viande qu'il y a un peu sur cette plaque. Elle est peu pratique à utiliser à cause des inscriptions gravées dessus. Par contre, les ingrédients que j'ai découpés étaient tous succulents. J'imagine donc que c'était grâce à cette planche. Enfin, je veux dire, cette plaque. Elle fait l'innocente, mais elle nous a demandé du bois parce qu'elle savait très bien qu'elle aurait plus sa planche à découper si elle nous donnait cette plaque. Bah oui, mais bon... Bref, je n'ai rien à ajouter. Qu'allez-vous faire maintenant? On a réussi à réunir un bon nombre de plaques, mais que faire désormais, je ne sais pas trop. Et si nous allions aux ruines du temple céleste? Je sais qu'on y trouve des statues de Dialga et Palkia, on y trouvera peut-être des indices. Est-ce là un de tes bons prétextes pour délaisser ton travail et visiter les ruines? Enfin, cela m'importe peu. Allez donc, hors de ma vue! Oh, j'y serais bien allé, même sans votre consentement. Allons, retournons là-bas. Je me demande si on devrait les lire, nos chères plaques, quand même. Rends-toi vite au temple céleste, je suis moi aussi curieuse de savoir ce que tu y découvriras. Qui sait ce que les ruines des anciennes légendes peuvent nous apprendre? Non, pas le temps de les lire, te dira Percupio. Allez dans le temple, là, au lieu de lire, là. Qui a besoin de lire? Non, on lit pas ici. Je veux les plaques. Moi, j'aimerais bien les lire, quand même. On les a toutes, là, non? Bah, normalement, non. Oui, peut-être. Ah non, j'ai l'impression qu'il nous en manque une. Je crois qu'il nous en manque une. Je crois qu'il nous en manque une. Il manque pas à la spectre, justement. Non. Ou la ténèbre. Ah non, c'est spectre. Bon, on retourne. Veut le gratin. Attends, on va au village d'abord, important. J'avoue, c'est vrai, on peut pas partir d'ici. On fait un petit détour avant pour bien narguer Percupio, tu vois, en mode... Oh non, il pleut! Je sais pas où tu vas, mais tu vas pas au bon endroit. J'avoue. Moi, j'allais au temple céleste. Tu sais, celui qui est encore mieux que... Mais vous n'avez pas honte, là, de me frapper ainsi? Par ici!
Oh, au lieu de danser là, parce que vous avez un peu mal aux jambes. Je reconnais ses pattes. Oui, ce sont les pattes que te faisait ta grand-mère, j'ai bien compris. Regarde cette statue brisée. On dirait qu'elle a été gardée loin de celle de Diaga et Palka, comme mise à l'écart. Vous savez ce qu'elle représente? Je crois, oui. Ah, je m'en doutais. Après tout, vous êtes des experts en Pokémon. Celles qui ont réussi à vaincre Diaga et Palkia, n'est-ce pas? Cette statue en piteux état représente un Pokémon qui fut l'égal de Diaga et Palkia, avant d'être banni. Il n'est autre que Giratina, Gratintina, enfin voilà. Habité par une grande violence, ce Pokémon vivait terré dans un monde à l'envers d'une autre. Espérons un jour, on appelle ça l'Australie. Espérons un jour défier Arceus lui-même. Maintenant, dis-moi, si Gratin désidait de s'en prendre à Arceus, où se montrerait-il? Au Mont Couronné? C'est la même chose. Non. Exactement, le lieu le plus près des cieux où la faille spatio-temporelle est apparue. Tu ne trouves pas ça excitant d'être si proche des mystères du monde? Ah, désolé, mais ça, tout ça me rend plutôt bavard. Allez, depuis mon plus jeune âge, lorsqu'une chose pénible ou triste m'arrivait, je me demandais toujours pourquoi je devais souffrir ainsi. Quoi? Attends, il t'arrive quoi de si terrible? Oh là là, j'ai eu 5 sur 20 à mon contrôle. Pourquoi dois-je souffrir à ce point? Or quoi, le monde est-il si mauvais? Oh, y'a rien de très original à cela, j'imagine. C'est alors que j'ai décidé de dédier toute mon énergie à ma curiosité au désir de m'améliorer. J'étais particulièrement attiré par l'histoire, les légendes, les ruines, avec un grand H. Je me disais qu'en étudiant tout cela, je pourrais comprendre pourquoi tout le monde avait été bâti. Et mon rêve était justement d'utiliser ce savoir pour construire un monde meilleur. Si je parviens à trouver ce monde à l'envers, et à rencontrer l'enfant rebelle du créateur, alors peut-être que je comprendrai qui est réellement le grand Sinnoh. Bien, rendons-nous encore une fois au temple de Sinnoh. Yelga et Palkia sont sortis de la faille, n'est-ce pas? C'est donc peut-être là-bas que les pouvoirs des plaques se manifesteront. Oui. Maintenant, tu peux aller là où tu voulais aller, c'est bon. Ah! Ça va bien. J'avoue, c'est dommage qu'il n'y ait pas un téléporteur là-bas. Aussi. Je sais pas, mais l'espace d'un instant, Percupio est devenu complètement fou. Ouais, il a fait un bruit de spiriton tout de suite. Tout de suite, ça n'annonçait rien de bon. Après tout, on ne l'a pas encore affronté avec son super Karchakrok. C'est vrai. C'est important de ramasser les fragments de fer. Oula. Quoi? J'aimais comment cette caverne, on la traverse toujours en étant normal, alors qu'on peut courir avec un Pokémon. Mais oui, pourquoi on fait ça? On se nerfe nous-mêmes, c'est n'importe quoi. Non mais ici c'est un endroit important, on peut pas se balader comme ça avec une monture. Ouais, si seulement il pleuvait pas, ça serait encore mieux, tu vois. Car même on devrait enlever l'interface. Ah bah ça, oui, toujours, faudrait se déplacer sans l'interface, bien sûr. Regardez-le, il est là. Il se tient là où dans le futur se tiendra Helio. Oh, j'espère que ça va aller parce que mes Pokémon ils sont pas entraînés. Hein. S'il veut se battre... Eh ben on perdra. Ne t'inquiète pas, si tu perds, je prendrai juste tout ton argent. Tout va bien. Le temple n'est plus que ruine. Il ne reste plus que ses colonnes pointant vers le ciel comme des lances. Aucune trace de Gratin. Mais bien, quelque chose ne va pas. Non, en fait, c'est plutôt à moi qu'il faudrait poser la question. Je crois qu'il est temps de te dire toute la vérité sur mes intentions. J'ai envie, là, je suis méchant, vous voyez. C'est le moment où le méchant craque un peu en mode... Ah, allez, je te dis tout mon plan. Depuis que j'ai découvert l'existence d'Arceus, je n'ai eu de cesse de vouloir le rencontrer. Voilà pourquoi j'ai cherché Giratina, le Pokémon qui avait défié Arceus. La première étape de mon plan était de le forcer à ouvrir la faille spatio-temporelle. Ensuite, suivant les instructions laissées sur les fresques des ruines, je t'ai fait récupérer les plaques, ces fragments de la divinité. Ces plaques sont au nombre de 18, ce qui signifie qu'il t'en manque une, n'est-ce pas? Eh bien, elle est là. Attention, il va retirer son super manteau d'un geste incroyable. Et voilà, depuis tout ce temps, il vient de l'Antiquité, mec. Attends. Et quelle coupe de cheveux incroyable, monsieur Percupio! Ah bah oui, j'ai été chez le coiffeur, figurez-vous. Ah, il m'a fait une de ses coupes. Maintenant, donne-moi tes plaques, ou c'est moi qui les réunirai toutes. Je n'en peux plus d'attendre, je dois rencontrer Arceus.
Si j'arrive à le rencontrer et si j'arrive à le soumettre, alors je pourrai utiliser ses pouvoirs afin de créer un monde meilleur. Mais pour créer ce nouveau monde parfait, je dois commencer par réduire Issui à néant. Quoi ? Vous, vos amis, vos Pokémon, vous tomberez tous dans l'oubli. Vous voulez mettre un terme à mes plans, j'imagine, dans ce cas, affrontez-moi. Que vous le vouliez ou non, je m'apparais de ces plaques, et par la force, s'il le faut. T'as compris, et si tu perds, je te laisse pas retourner au village devant toutes tes plaques et ton argent, quand même. L'expert en Pokémon. L'expert, oui, bah. Plus. Pourquoi ça brille, hein ? Plus. 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 Là, je commence par lui. Eh, mais c'est le thème de Cynthia. Y'a rien de spécial en fait, pourquoi ça brille? Wow. Oh, il est à fond, hein. Oh, il est à fond, on va switcher. 68, oh, ça... Oh, c'est peut-être jouable, peut-être. Bon, ben... on va faire des attaques normales. Purée, j'aurais dû faire style puissant. Comment peux-tu dire que c'est le thème de Cynthia? Cynthia est gentille. Quoi? Mais comment ça... Attends, t'as fait quoi? Il a fait guérison. Ah. Bah si, moi je reconnais. Mais non. Oh, on l'avait presque tué. On l'avait presque tué, garde-voix. On l'avait presque tué. Bon, vas-y, Lulu, dépêche-toi. Dépêche-toi. Oh, c'est pas suffisant. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, le coup critique des enfers. Attends, ah mais il a compris. Ah, t'as un Pokémon Move, très bien. Puis en plus, il enchaîne. Percupio, t'es sûr que ça va, genre? Ouais, mais je sais, dans le futur, vous avez utilisé tous des Roserade pour poser des picots, donc je fais pareil. Oui, mais dans ce jeu... Taisez-vous, j'ai vu le futur. Bon, let's go. J'avoue, je vais oh, faire... le style puissant, attention. Bah en fait j'ai peur qu'à chaque fois je les batte pas si je fais pas style puissant. Mais y a pas besoin de faire style puissant pour pas les battre, ils semblent. Oh trop bien. Oh. Je pense que tu n'es pas obligé de faire un style puissant. Ah mais peut-être que je peux faire un style rapide pour gagner du temps. Ouais ouais. Allez vas-y, sors ton Karchakrok. En fait j'aurais pas dû prendre Blaze maintenant parce qu'il y a Togekiss après. Ouais j'avoue. J'avoue, je devrais peut-être ranger mademoiselle, en fait. Quoi? Mais j'ai fait style rapide! Oh non, je me fais dégommer. Oh, il m'a pas fait mal! Mais pourquoi il est si rapide? Ah oui, non, mais c'est... je ne comprends pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi des fois ils sont si rapides. Je vais switcher, effectivement, je pense. Fenrir. Faites à ton tour. Fenrir. Au con, c'est écrit qu'il attaque deux fois. Fenrir. Mais ça veut pas dire qu'au prochain. Non, mais c'est ça en fait, oui, c'est ça le truc. C'est que des fois ça ment, c'est pas pourquoi. Bon, j'espère que tu vas réussir. Fenrir. On fait pas un style puissant en fait. Un style rapide. Tu vois ça, Fenrir. Oh, bien joué. Fenrir. Bien joué. Non. Oh, il évite l'attaque. Mais pourquoi c'est... Oh, il envoie Gonflette. Tu penses que Gonflette ça va arrêter mon Fenrir? Ah 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 ah, petit Lucario. Ah, petit Lucario. Oh, c'est toi, c'est un grand. Oh, Major, mais quel talent ce Major par contre. Mais oui, Major, il est trop stylé. Bon, c'est dangereux. Mais peut-être pas. Vas-y, Major! Il fait les gros yeux, le Major! Ouais! Yes. Mais comment on n'a pas battu Lucario, là? On a battu Roserade et même pas Lucario! Ah, mais il a augmenté sa défense, c'est vrai. Oh non! Ah bah voilà, moi, j'affronte Lucario. Il va arriver direct. Piste au point! Mais j'ai battu Lucario quand même. Ah, il voilà. A fait la gonflette. On va tenter... Il peut peut-être envoyer Togekiss ou Tritosaur. On va tenter Aine. Purée, Tritosaur, j'ai pas de Pokémon pour l'instant en fait. Ah bah si, j'en ai un. C'est bon. Ah, Togekiss. Oh le bon choix. Allez, Lucario. Comment on bat un Lucario? Bah toujours comme ça en fait. Hein. Mais par contre, il a fait la gonflette. Allez, vas-y Major, t'es trop fort.
Non, c'est pas le meilleur des oui, choix. Oui, Major, il est tellement fort. Purée, par contre, les dégâts, c'est zéro. Hein. Ah, ça y est, j'ai le Toshkiss. Toshkiss, c'est tellement un Pokémon bulky. Faut pas frimer à Iné, parce qu'après, tu vas énerver les Pokémon en face. Là, voilà, Arcanin, il va faire morsure. Voilà. Bon, là, c'est le moment où je rigole pas. J'avoue que j'ai pas de Pokémon dans cette team. Moi j'en ai deux, tu veux que je t'en prête un? Je vais faire un truc dangereux, mais je vais ressusciter Blaze, et puis j'espère que Carnassier il tiendra un peu. Un petit moment mignon de la musique, hein, genre. Mmh. Ah, ça doit être Tokekiss, tu vois. C'est... Bon, là je vais trépasser. Ah bah oui, il est beau. Ah, mais là ils disent que je peux faire deux aquatacles, alors on va en profiter. Waouh, trop bien! Allez, aquatacle! Et. Aquatacle! Ça lui fait rien, il est tellement bulky! Ah ouais, non, mais c'est indécent! Hein. Oui! Tu le tues quand même, s'il te plaît, hein. Tu le tues quand même! Yes, bien joué. Bon, j'espère que Blaze, tu vas tenir. Attends, mais non, j'invente un Tritosaur, mais il n'y a pas de Tritosaur en fait. Ouais, non, ça va, il n'y a pas de Tritosaur. Oh, mais il est sérieux. On ne va pas perdre de temps, on va faire un style puissant parce que... En plus, Gryphunas n'était pas fort, donc... voilà, c'est bon. Très bien, maintenant il va falloir affronter le... On est en train de te dégommer, Percupio, en réalité. Il va devoir affronter le monstre. Moi, je sais pas, j'y verrai pas à ce point-là. Ah, mais je le dégommerais bien si les tours, ils étaient reset à chaque fois, tu vois, mais... Je dis ça, mais j'ai encore combien de Pokémon, moi? Oui, voilà. C'est... Tu le dégommes bien. C'est chaud, hein. Oh, j'attaque deux fois si je fais El Psycho. Ah ouais, bah attends, et oh, style rapide, ça attaque deux fois, très bien, on prend ça. Non. Ah, mais c'est... Bon, allez, on tente quand même. Oh yes! Oh, t'as fait un petit coup critique des enfers. Bah, limite, est-ce que éclat magique pour être sûr? Bah, j'ai éclat magique pour être sûr. Éclat magique pour être sûr. Ah, vous ne faites pas confiance aux ailes psycho. Mais elle est pas précise. Ah, d'accord, oui, voilà. Ça me va. Il les rate tout le temps, mon flocon, donc... Ouais, ok. Bon, sinon, Percupio, c'était une blague, ton comportement... Je ne comprends pas pourquoi est-ce toi que Arceus a accordé la protection. Attends, t'as dit que t'avais ouvert la faille, on est d'accord, en fait. Oui, je l'ai ouvert la faille avec mes petites mains, mes petits doigts, comme ça, là, hop. Mais comment est-ce possible? Ah, j'ai dévoué ma vie entière à Arceus, l'objet de ma passion, le créateur de l'univers. Quand il est devenu Eusine, là, je pense bon. Que j'ai déployé tant d'efforts pour étudier les légendes. Quoi, Eusine, là, ce petit machin, là, qui se fait dégommer par un Suicune, moi, non. Rien du tout, moi, je ne vise pas juste un petit chien, moi, je vise l'apothéose, la chèvre légendaire. Oh, quand même, s'il vous plaît. Quand je pense que j'ai déployé tant d'efforts pour étudier les légendes de ces terres, et tu es tombé de la faille uniquement pour détruire tous mes rêves. Mais t'as pas dit que c'était toi qui nous avais invoqué? Non, je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Et puis non, je n'ai pas dit que j'ai... Ça, voilà. Est-ce que tu vous ressentez cette présence extraordinaire qui glace le sang? Attends! La fin, je... Arrêtez, tu parlais de manger, là, j'en peux plus. Il en peut plus. Ah ouais, on va aller dans le monde distorsion. Regardez ma coupe de cheveux incroyable. Et puis là, il se fait écraser par le gratin. C'est souvent comme ça, les méchants un peu... C'est vrai, hein, c'est vrai. Par contre, vous êtes méchant, mais nous, on a plus de Pokémon. Ah oui, là. D'accord. Ah ouais, d'accord. Ok. Ouais, deux. Ah oui, on va aller loin, là. Ah oui, je... Ouais. Une force effroyable émane de gratin. Il va m'attaquer. Bah oui, bien sûr.
Parce que moi j'ai pas de soins, hein, donc c'est... Oui, j'ai un Pokémon, très bien. T'as même pas de rappel? Ah bah non, j'en ai pas. J'en ai jamais eu, moi. Ah, c'est très bien ton Pokémon pour affronter Gratin en plus. Mais genre, t'as vraiment rien, regarde dans tes poches. Mais non, je n'ai rien. Pourquoi je me balade pas avec des trucs? Parce que ça ne... On n'a jamais le temps de les utiliser, donc du coup je... Oh non. Je ne les prends pas parce que ça ne sert à rien. J'avoue que... T'inquiète, en plus après il va se transformer en forme énervée, donc du coup il faudra faire 3 combats en fait d'affilée. Je vais quand même ressusciter mon carnassier au cas où. Bah oui, mais moi aussi en fait je peux pas le toucher le gratin. Impossible de viser à cause de l'écran de fumée. Le pire c'est que je peux même pas me soigner avec... Bon, par contre, en fait, on peut juste pas le toucher, c'est... Attends, je vais te dire. Bon, je ne l'ai jamais touché. Du coup, ça y est, j'ai mouru. Qu'est-ce qui va t'arriver ? Entraînez vos Pokémon avant de réussir. Attends, mais oui, je veux... Okay. D'accord, c'est tout. Et genre là, tu vas refaire le combat contre Percupio ou tu vas direct contre Gratin? Attends, oui... Oui, je crois que tu vas refaire le combat. Ah, il est en première. Bon, bah... Ce serait un combat de spectre. Il va m'attaquer avant. Je sais pas pourquoi... Je sais pas si je le bourrine... Ouais, je bourrine. On bourrine! Non, mais oui, c'est vrai, on peut jamais le toucher! En fait, j'ai dit un truc qui était que Sif ne sert à rien, mais en fait, Sif ne craint pas revenant. Antifos, tu seras le healer, merci. Moi, je vais soigner aussi. Là. Ah ouais, non, bah carrément, un style puissant. Ah, il fait... Attends, il fait des autres attaques, finalement. Il a dit... Attends, je sais faire autre chose, semblerait-il. ok. Ah, merci, Flocon. Ah, il touche. Par contre, je vais mourir, moi. J'ai que des Pokémon psy et tout. Ouais, terrible. Oh, est-ce que... Je vais pouvoir survivre. Tiens, tu peux tenir une attaque. Non, c'est mon dernier Pokémon. Oh, tu peux peut-être tenir une attaque, Sif. Ça serait trop bien. Ouais, mais d'un côté, en fait... Mouais. Bof, quand même. Hein. Oh, j'aurais peut-être dû faire la danse de la victoire. Je vais faire un style rapide d'un truc qui ne sert à rien. Je ne peux plus oublier ça, mais je veux perdre des tours, en fait. Bah, pourquoi tu veux le tanker? Je veux qu'il retire son effet brouillard, en fait. Ah, tu penses qu'il va partir au bout d'un moment? Oui, c'est bon, il est parti. Ouais, voilà, tu vois, je me dis... Et après, je bourrine avec... avec Aine. Oh, en plus, il fait un style puissant, le Frimer, là. Aura Sphère, ok. Ah, d'accord, c'est le one-shot, c'est ok, d'accord, très bien. Merci. Bon, bah, on va commencer à bourriner dès maintenant, alors. Moi, je vais encore soigner un peu. Ah mince, d'accord, il a... Ah si, quand même. Il a même pas le droit à un petit tour de répit. Ah ouais, d'accord, ok. Mais il donne... Estélise. Ah ouais, d'accord, ok. Les dégâts, ils sont nuls. Ok. Comment on s'organise maintenant? Bah, qu'est-ce qui va pas là? Je fais pas de dégâts en fait. Même avec Ballombre? Bah, tu peux le constater, les dégâts sont quelque peu. sont quelque peu ridicules. Regarde, il faut l'empoisonner. Non, mais vraiment, un Fragility, meilleur Pokémon du monde. Regardez-moi ça! Elle tend comme une chef le gratin. Mais lui aussi, il est bloqué, il peut pas faire des revenants. C'est le Pokémon ultime pour affronter Giratina, en fait.
Allez, tiens, une potion max. Tu fais danse victoire et direct toxique et c'est tout. Non mais elle est très bien effectivement, Fragile Lady. C'est le meilleur Pokémon de ma team. Elle peut tout faire, elle est bulky. Une petite danse. On va ressusciter. Attends, mais j'ai encore plus qu'un Pokémon, moi, là. Je troll depuis le début. Ah non. Ben non. Oh, t'en as deux, ouais. Ah, mais pourquoi il y a écrit qu'un Pokémon? Ça doit être un bug, alors, je pense. J'ai eu peur, j'étais là. Mais attendez, quoi? Je ressuscite ah, ma team. Ah, bah voilà. Ah, bien joué, bien joué, bien joué. Ressuscite ma team, comme la grosse rime qu'on peut faire. Mais j'avoue que j'ai envie de ressusciter ma team, comme ça ils gagnent de l'exp, parce que finalement ça leur arrive jamais, les pauvres. Il va mourir tout seul maintenant, le gratin. Je suis sûre qu'il va mourir avant que j'ai le temps de soigner mes Pokémon. Bon, bah déjà aussi, il triche, là. Alors que Estélise, elle méritait l'exp qu'elle a gagné. Vous gardez ce gros gratin qui meurt. Trop bien. Ah bah voilà, il n'est pas mort pour de vrai. Ah bah ouais. Écoute. Comme l'avaient prédit les tablettes de Dami. Bien sûr qu'il ne meurt pas. Si on peut le capturer, ce serait... Quoi énorme. Mais pourquoi il attaque? Parce qu'on pourrait voler le Pokémon de Percupio et tout. Mais bon, le jeu ne nous permettra pas ça. Faudra retourner dans la grotte origine pour aller le chercher, j'imagine. Pourquoi je vois pas sa barre de Milouki parce qu'elle était cachée. Gratin, tu vas me dégommer, mais on va un petit peu te taquiner. Je crois que moi j'ai pas beaucoup de rappel max. Et j'ai plus de soins en moi, surtout. Non mais arrêtez d'attaquer avant moi aussi. En plus j'ai pas ressuscité le bon, j'aurais dû ressusciter. J'aurais dû ressusciter Blaze. Et il a Tellurie Force. Oh, c'est quand même la première fois qu'on voit un Pokémon avec deux barres de vie. Allez, du coup. Attends, j'ai encore une guérison, ouais. C'est sur une, alors on a bien besoin. Bon, je fais un petit style rapide là, un petit Draco Griffe rapide, et après je vais faire un Draco Griffe puissant, ça va être rigolo, regarde. Ah, même pas. Je sais même pas si vous avez des PP, vous, finalement. J'avoue. Du coup, je vais tanker un peu encore. Je vais continuer de tanker, parce que... J'aime bien ce petit remix du thème de Giratina. D'accord, okay. En mode rapide, comme ça, c'est trop bien. Bon. On veut le poison. On va se tenter la stratégie all out. Et on avisera si jamais ça marche pas. Bon, il se cache derrière un écran de fumée. Ça veut dire que c'est le moment de faire la séance de soins. Let's go. Non mais tu te rends compte que mon combat il a duré et voilà, plusieurs jours. On s'est battu pendant deux lunes et deux. Ce combat a duré 4 jours et 4 nuits. Tu retentes ta petite stratégie de dire toxique. Écoute, ça fait attends, plusieurs... Attends, mais tu lui fais pas de dégâts en fait. Bah mince, mon machin il est parti, j'ai oublié. Ouh, c'est bon. Non, c'est pas bon. Mais oui, j'ai été inattentive un instant, j'avais pas vu que ma danse de la victoire, elle s'était terminée. Oh purée, il reste plus que... Ah non, ça va, j'allais dire, il reste plus que Blaze. Mm. Après, tu peux tenter la stratégie All Out avec ballon reçu. Ouais, en plus, l'écran de fumée s'est dissipé, alors peut-être. Mais si ça marche pas, c'est fini de nous. Si t'en reste aussi un Pokémon qui lui aussi peut aller à fond. Non, c'est bon, c'est ok. Bravo, tu as battu le terrible gratin qui ne voulait pas mourir. Alors, Percupio, qu'est-ce que tu dis de ça?
Cette fois, vous avez réussi à vaincre Giratina. Oh, du coup, tout le monde est KO. Girafe ! Mais, comment as-tu t'enfuir ? Tu n'as donc aucun courage ? Il est parti ! Quand je pense que c'est moi qui t'ai prêté ma force avant que tu puisses défier Arceus, je t'ai permis d'ouvrir la faille spatio-temporelle afin de faire enrager les dieux du temps et de l'espace dans le but d'attirer le créateur. Comment les choses ont-elles pu finir ainsi, Arceus ? Tiens, cœur, dis-moi. Le sang de l'ancien peuple de Sinnoh coule pourtant dans mes veines. Arceus, pourquoi tu me rejettes ainsi ? Oserais-tu dire que ce monde n'a pas besoin d'être corrigé ? Je ne supporte pas ces interrogations. Il me faut des réponses pour satisfaire ma curiosité. Et vous ? Vous avez un rêve ? Oh, vous êtes en train de devenir Enla ! Qu'est-ce qui se passe ? Oui, j'ai un rêve. Oh, j'ai trop envie de lui répondre, je ne sais pas, pour le troller. Mais, vas-y. Non ! Tiens, je vois. Et j'imagine que votre rêve et le mien sont incompatibles, mais peut-être qu'un jour tu seras assailli par la même souffrance que j'endure actuellement. Je suis un expert en Pokémon, je me sers d'eux, mais toi, tu te bats à leur côté. Au final, j'étais seul, contrairement à toi. C'est aux côtés des Pokémon que vous réaliserez vos rêves. Squeaky, 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 squeaky. Tiens, prends cette plaque. C'est avec elle qu'il y a tout à commencer pour moi. Je l'ai reçue de gratin. Aujourd'hui, c'est sur cette défaite que mon histoire s'achève. Sacrée coupe de cheveux, quand même. Ah, mais c'est clair. Il était inspiré, tu vois. Il s'est dit... J'ai vu Arceus dans les légendes. Je veux avoir la même coupe que lui, c'est bon. La dernière des plaques. Voilà. Vous avez désormais récupéré toutes les plaques que se trouvent à Issui. Oh. Oh. Mais votre flûte... C'est devenu une espèce d'ocarina bizarre. Ah, c'est devenu flûte azur. Oh là là. La flûte céleste. Mais c'est incroyable. C'est la flûte azur. Arceus veut donc te rencontrer. Et c'est pour cela qu'il t'a invité dans ce monde. Non, je ne veux pas voir ça. Te voir rencontrer Arceus, mais insupportable. Et surtout, je pourrais pas supporter de te voir le vaincre. Je jure, un jour je résoudrai tous les mystères des gens de Pokémon Issui. Je rencontrerai Arceus et je le soumettrai à ma volonté, sauf si vous le capturez avant, mais bon... qu'importe combien d'années, des décennies ou même de siècles que ça me prend, j'y arriverai. Quoi ? Meryl est fou ! Oui, bah je vais acheter une PSP, vous allez voir. Le Pokémon vénéré comme une divinité. Activez le guide. Rencontrer voilà. Tous les Pokémon, puis jouer de la flûte à l'hôtel du temple. Rencontrer tous les Pokémon. Mais on est tous morts. Oh, je sais même pas combien de temps il a duré ce combat. Est-ce qu'on peut se permettre d'aller rencontrer tous les Pokémon ? J'avoue. Ah ! Rencontrer tous les Pokémon ! Je pensais qu'il fallait qu'on aille rencontrer des Pokémon pour leur jouer de la flûte. Ah oui, d'accord, bah non. Ah, tu veux dire qu'on doit capturer tous les Pokémon ? Et puis jouer de la flûte. Et jouer de la flûte. Nous revenons victorieux de... Mais vous avez entendu la nouvelle ? Il paraît qu'une grande ombre a survolé la côte Lazuli avant de disparaître. Alors, vous êtes allé au temple de Sinnoh avec Percupien, n'est-ce pas ? Que s'est-il passé ensuite ? Eh ben en fait, il a dit qu'il était derrière tout ça. Ah. Et après, on lui a mis une raclée. Oh. Je vois. Cette ombre aperçue sur la côte Lazuli doit sûrement être gratin. Le Pokémon qui a été banni à l'envers de notre monde, selon les dires. Je pense qu'il est vraiment parti, qu'on peut le rendre. Il m'en fait mal. Alors que c'est lui le méchant, à l'histoire. Mais il est pas méchant. Il a été manipulé par Percupio. Le bully quand même, hein. Le gars, attends, revenant. La côte Lazuli est vraiment vaste. Je pense qu'il est temps de partir en exploration. Bah bon, c'est totalement où aller, c'est même le premier endroit qu'on a été voir. Ça va. Mais je voulais voir quand même si dans la maison de Percupio... Il n'y a pas de maison de Percupio. Comment il s'appelle ? Lavande, s'il n'y a pas des trucs. Oh, tu penses qu'il y aurait des missions cachées ? Parce que là, on a eu la 91 et après, on a déjà fait la 92 et la 93. Bah ouais, mais je me disais qu'il y avait peut-être un indice. Tiens, on a une cinématique. Concernant les trous dans notre poké. Les trous dans notre sacoche ? Non, mais lui, non. voilà, c'est bon, de toute façon, j'ai plus d'argent. Je viens de prendre connaissance des mauvais agissements de Percupio. Vous allez le gronder ? Tâchons d'oublier ce mal appris. Il s'est laissé dominer par ses émotions et a perdu la tête. Rien de plus. Et du coup, il va faire quoi ? Finir en prison ? Bah non, il a rien fait de mal. Oui, bon, techniquement, il a... C'est à cause de lui, du coup, les éclairs des Pokémon, bah, machin. Du coup, oui.
À propos, comment c'était recherche entre guillemets, si c'est bien ainsi que tu nommes cela. Très bien. Pas très bien. Tu sais, ici abrite encore une multitude de Pokémon absolument fascinants. Oh, de quel Pokémon veux-tu que nous parlions? Quoi, mais sois le pas... Boreas. Quoi? Parlons de Boreas, allez. D'accord. Ah, Boreas, ce Pokémon vole d'une contrée à l'autre en déclenchant d'effroyables tempêtes. On raconte que lorsque le blizzard souffle sur les terres immaculées, Boreas n'est peut-être pas loin. Ah oui, depuis quand cette légende existe? Ah, de quel Pokémon veux-tu qu'on parle? Pas de Fulguris. Ah, Fulguris, ce Pokémon vole d'une contrée à l'autre en enchaînant la foule. Non, attends, c'est digne du Pokédex de verre, hein, le Pokémon vole ça et là. On raconte que lorsqu'un pas de problème pour voler toute la journée sur la côte Lazuli, Fulguris n'est pas loin. Oh, de quel Pokémon veux-tu qu'on parle? Déméteros. Déméteros chat. On appelle ce Pokémon le dieu des moissons. Ah, lui, il vole pas ça et là. Il aurait été aperçu dans les plaines obsidiennes. Parviendras-tu à le capturer? Je ne sais pas. De quel Pokémon veux-tu qu'on parle? Je sais tes châteaux, merci. Oh, comme tu voudras. J'ignore pourquoi ces Pokémon ont décidé de se montrer aux êtres humains. Est-ce que c'est lié à la faille ou est-ce qu'ils font qu'obéir à leur propre volonté? Il est évident que déclencher des tempêtes et déchaîner la foudre peut être considéré comme une nuisance. Ce sont des phénomènes naturels ô combien nécessaires. Je te laisse poursuivre tes recherches pour en comprendre toutes les subtilités. Je t'invite à revenir me voir lorsque tu auras complété les pages Pokédex. Fulguris, Déméteros, blablabla. Ensuite, on pourra parler de prendre un petit goûter parce que c'était épuisant. Bon bah du coup c'était pas dans la... Bon je... Bah on a une mission quand même. Oui bah oui du coup mais c'était pas là où je pensais. Je me disais bon allez, peut-être la vente va nous donner un indice tu vois en mode... Et bien mieux c'était penser à... Trop bien penser à... Ah, mais bon toujours... ça a l'air de l'avoir ennuyé. Faut toujours que je fommage tout le travail donc... On va parler des lacs, du volcan. Oui bien sûr le volcan, vous savez le volcan. Les discussions avec Pensea c'est toujours... un phénomène, hein. J'aime bien. Bon, eh bien voilà, on aura bien avancé ou pas, je ne sais pas. En tout cas, je m'attendais à ce que Percupio il nous fasse un coup pareil, mais j'étais loin d'imaginer que c'était lui qui était le mastermind derrière tout ça. Ah, il était... Bah, je savais qu'il était louche, mais alors là... Ah, mais dès qu'il est arrivé, tu vois... Non, mais de toute façon, oui, dès qu'on l'a vu, on s'était... Non, dès qu'il a été annoncé, Damien et moi, on était déjà en mode... Ok, lui, on le sent pas. Lui, on l'aime pas. Enfin voilà. Et d'ailleurs il est parti comme il est venu en mode allez salut. Il a boudé comme gratin hein, finalement. Il se moque de Giratina mais il a fait la même chose. Bref, merci à tous d'avoir regardé cet épisode et à bientôt pour la prochaine partie. Au revoir tout le monde. Salut.